Et tout le monde, c'est Pixie, je vous retrouve pour l'épisode numéro 7 de Pokémon version Soul Silver Random. J'espère que vous êtes très bien. Moi, eh bien, ça va super. Je suis toujours avec mon petit monsieur qui est là. Donc, j'ai fait une petite pause depuis le dernier. Est-ce que. C'est bon, ils sont tous soignés, ça va. Du coup, il y a Farias qui est allé rejoindre les Team Rocket pour se battre. Et du coup, on va y aller nous aussi parce que peut-être qu'il s'est passé quelque chose de mal. Je ne sais pas. Mais déjà, à ce moment, je me souviens un petit peu de mon ancien jeu. Donc, ah, hop, on va descendre dans le puits. Allons-y. Puis Ramolos. Oh, Lucas. La garde est décampée quand je lui criais dessus. Et puis j'étais sorti dans le puits, mais je me suis planté. Mais je me suis planté et je peux plus bouger. Si j'étais en forme, mes Pokémon les auraient punis. C'est vraiment trop bête. Lucas va leur en mettre une raclée à ma place. Ok, pas de problème. Alors, on est encore dans une grotte. Peut-être qu'on avait fini avec les grottes. Mais qu'est-ce qu'il avait le vieux? Juste quand je regardais le puits, il s'est mis à briller si fort, ça m'a fait peur que je suis tombée. Pour oublier mes soucis, je vais te faire la fête. Oh là, la musique. Man Alex. Octillery. Ok. On va bien expliquer nos Pokémon, hein, cet épisode-ci, tout en continuant l'histoire, bien évidemment. Hop. Je sens que je vais bientôt éternuer, donc si n'ayez enfin ne sursautez pas. Non, ça va, c'est parti. Des fois j'ai l'impression que je vais éternuer, mais en fait non. Bref, donc j'espère que vous allez bien, que c'était pas trop long à attendre. Parce que je sais que les épisodes sont quand même pas mal espacés, mais bon. C'est comme ça, mais après vous avez quasiment une vidéo par jour, quasiment, hein, pas vraiment vrai, mais quasiment une vidéo par jour. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Kabuto. On va pouvoir prendre jolie fleur. Bien la musique. Alors. Et donc les Kabuto volent. Je sais pas depuis quand. C'est assez étrange. Qu'elle n'est pas KO. Ça va. Il fait pas trop de dégâts. Tout se passe bien pour l'instant. Kabuto et KO. Hop, j'ai les fleurs, gagné 190. Ah, il passe au niveau de 17. C'est très bien. J'ai battu Man Alex. Grâce, pas mon jour. Ouais. Alors, je vais faire une petite save, hein, parce que. Voilà, les saves, c'est important. Voilà. Donc, on peut continuer. Ah, il y a un dresseur. Écaille océan. Ça reste. Arrêtez de couper les queues de Ramolos. Vu quoi, tu voudrais qu'on les ignore, les ordres de Lance. Si tu veux vraiment qu'on arrête, il faudra tous nous battre. Bah, c'est ce que je vais faire. C'est que des man Alex, hein, j'ai l'impression. Vibranif. Ok, donc Michel il met au niveau 9, ça c'est pas trop mal. Après on enverra au Satueur. Il fait lui sa fête. Ok. Hop. Aujourd'hui ça va pas un super long épisode comme la dernière fois. Hein. Ça peut-être de 20 minutes à peu près. Oula. Parce que après, faut essayer de réguler un petit peu, quoi. Sinon. Ça, c'est n'importe quoi. Hop. Les marnies fait nuit et KO. Détritus. Alors, détritus, ça fait quoi déjà, on va voir. Alors. Des détritus toxiques sont projetés sur l'ennemi peut aussi l'empoisonner. Enfin, mettre à la place de reflet magique. Voilà. Tu vas la prendre, détritus. Ah, un Fogler. C'est la deuxième fois qu'on en voit en deux épisodes. Ça, c'est. C'est bizarre. Alors.
Niveau 11, là, par contre, un peu plus au level. Donc peut-être que le level va éclore aujourd'hui, j'aimerais bien qu'il éclose aujourd'hui. Parce que je sais pas du tout quel Pokémon il y a dedans. Enfin, si en fait de base, je sais quel Pokémon il y a dedans, mais je sais pas si ça s'est changé. Là, ça serait marrant de voir si ça s'est changé. Hop. Oh, j'ai fait quasiment rien. Ok, il m'a identifié. Hop, balayage. Ah. Critique. Enfin, ça va m'étourdir, ça, non? Non, ça va. Ok, j'ai de la chance. Parce que l'étourdissement, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment pas de chance avec, avec ça. Hop. Je suis au niveau 9, c'est bien. Alors, Salmôme. Je ne suis pas d'accord. Ah, c'est par là. Est-ce que c'est encore un Manalex? Arrêtez de couper les queues d'Armelos. Et votre réputation, tu y as pensé? Oui, en fait, je sais pourquoi c'est que des Manalex. Parce que de base, ils s'appellent tous Sbire Team Rocket, un truc comme ça. Et du coup, ils ont toujours le même nom, en fait. Voilà, c'était l'explication très très intéressante. On va tester des détritus. Ah, c'est super efficace en plus. Ok. Ah, oh, je le tuer. Je ne vais pas s'échapper. Ok. La machine est trouvée par Manalex. Je vais Pokémon Noctali. Noctali go. Alors, tranche nuit. Ok. Il commence vraiment à être solide, hein, les Pokémon. Sur le temps. Façade. Ah, ça n'affecte pas la mentine. Balayage. Ça n'affecte pas la mentine, d'accord. Ah bah on va refaire tranche nuit hein. Je connaissais vraiment pas cette attaque, j'apprends pas une attaque, je sais pas pourquoi. Non, je connaissais pas. Hop. Et le petit dernier. Après il a encore un Pokémon. Maintenant il est KO. Et je passe au niveau 17. Alors Colossinge, oui, on va renvoyer Musiol. Et il apprendra à envoyer Jolie Fleur. Ok. Hop. Je me remets petit à petit de la rencontre avec Kyogre de la dernière fois. Promis qu'on aura des bonnes Pokéballs et des bons Pokémon qui peuvent faire des problèmes de statut. On ira le capturer. Hein. Ok, je trouve que j'allais le tuer. Oulala. Ah, ça va. C'est pas vraiment très efficace. Bon, je suis totalement mêlé avec les types. Hein, bon. Voilà. Quelle force. Hop, on va save encore une fois, parce que là on a bien avancé en plus. On va s'arrêter là. Hop. Voilà. Continuons. Alors. Ah. Oh. Je pensais pas qu'il y avait des Pokémon dans la grotte. Oh. Un joli fleur. Le hasard fait bien les choses. Alors, Match Punch.
Ah, tu peux pas mettre KO, s'il te plaît, parce que... Pas très efficace. Voilà, peut-être qu'il est passé niveau 10, la Mussiole. Oui. Parfait. Il monte assez vite, hein, c'est pas vraiment... C'est pas très grave. C'est son bas, parce qu'il monte rapidement. Alors, qu'est-ce que utilise Ramolos? Ramolos, elle a que coupé. Oh mon dieu. Ouais, du coup, je vais te parler à toi. Quoi? J'ai l'impression d'être le plus cruel des membres de la Team Rocket. Ne laissez pas nous mettre des bâtons dans les roues. Kim. Il s'appelle Lance? Non, c'est Kim en fait. C'est par Coltrainer, Coltrainer Kim. Lamantine, d'accord. Alors, Noctali, vas-y. Tranchni. Franchement, c'est vraiment notre attaque phare. KO. Voilà, Michel gagne 150 points d'expérience. On va envoyer un petit peu au Saturne devant. Barloche. Sur les Pokémon, au Saturne. J'ai vraiment hâte de notre prochain combat avec, avec Marcel, parce que du coup, je vais voir s'il a toujours sur Rayquaza. Et s'il a toujours, franchement, ça va faire un rival vraiment chaud, quoi. Parce que vers la fin, il a toujours un empêcheur tourné en rond, mais... parce que à la fin, quand il va être un super bon niveau, je cache pas que ça va être compliqué à le battre. Mais bon, on verra bien. Voilà, je suis flatterie. Oh non! Allez, jolie fleur, fais confiance en toi, tu peux ne pas être confus. Enfin, tu peux pas te blesser. Oh. Le temps. Allez, j'ai les fleurs. Oh purée. Je vous ai dit que je n'avais jamais de chance. Ah, ça va. Ok. Mais on a pas le one shot. Hein. Ah, bah si. Bah si. Bah ça va. Allez, au revoir. Bah tu cool trainer qui me. Oh non! Ça refait comme tout à l'heure, c'est chiant. Pourquoi ça fait ça? C'était là, hein? Voilà. Ah, c'est relou. Bon, écoutez, je vous fais une ellipse et puis je vous reprends quand le combat est terminé parce que du coup ça a rechargé du slot 1, là, c'est chiant. Du coup, à tout de suite. Ok, je l'ai battu dans la mantine. Il me reste juste à battre son autre Pokémon, son Barloche. Et ça va aller vite parce que du coup, avec coup psycho, je vais le battre assez rapidement. Franchement, je vois pas, enfin, je vois pas pourquoi ça fait ça. Enfin, pourquoi? Est-ce que ça m'a remis à la slot 7? Peut-être que j'ai appuyé, en plus j'ai juste appuyé sur espace, j'ai pas appuyé sur nos touches. Donc, elle a battu Goultrainer Kim. Je n'aurais pas dû sous-estimer un enfant. Voilà. Tu me regrettes à 18 il y a 3 ans, certes. Nous avons continué nos activités dans l'ombre. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu n'arriveras pas à nous arrêter. Tu devras dorénavant vivre dans la terreur de nos prochains coups. Bravo Lucas. Tu as tes progrès à décamper. Mon dos va mieux. Allez, rentrons. Salut Lucas, tu as été formidable. Comme je te dis, la Team Rocket a été vaincue il y a 3 ans, par un garçon qui s'appelait Red. Mais les voilà de retour et j'ai un mauvais pressentiment. Quoi qu'il en soit, tu m'as beaucoup impressionné. Je serais fier de fabriquer des Pokéballs pour toi. Au moins, j'ai que ça sous la main, mais prends-le quand même. Speedball. Oh, mais tu t'es une agrume. Allez, laisse-moi faire.
Je sais, il y en a vraiment donné. La noire. Il faudra une journée pour tout finir, reviens plus tard. Ok. J'ai une idée, tu veux le numéro de téléphone de mon papy? Oui. Il reste rien. Ok. Bon, on va sauvegarder là parce que je sais pas que ça me refasse. Voilà. Du coup, on va continuer à avancer dans l'aventure. On vient d'aller soigner nos Pokémon, ce sera bien. Hop. Allons-y. Bonjour, bienvenue sur ton Pokémon. Pour enseigner vos Pokémon, allez-vous les soigner? Oui. Quand même, la fin virtuelle, elle doit se saouler au moment dans la journée parce qu'elle fait que de répéter la même chose que de faire la même chose. Bon, après, tu me diras que les gens aussi doivent se saouler parce que. Il faut que de faire ça. Hop, on marche, on revient. Je regarde là, hop, je marche vers là, hop, je reviens, je regarde vers là. Donc, c'est pas intéressant. Ah, du coup, ils sont partis de l'arène, donc je vais pouvoir peut-être y aller. Salut! Salut toi, cette arène est un gigantesque nid de Pokémon insectes construit par Hector. Il est encore jeune, mais personne ne l'égale dans son domaine. Tu auras besoin de conseils, par exemple. Les Pokémon insectes détestent le feu. Les capacités de type vol sont super efficaces ici. Oui, sauf que moi, ce sera pas des Pokémon insectes. Ouh, je me souviens de cette arène. Alors, donc le dresseur est par là-bas. Donc là, il faut que je fasse celle-là, logiquement. Enfin, si j'ai compris la mécanique. Voilà, là, il y a quand même un dresseur. On va pas le skip. Le Pokémon insecte évolue rapidement. Il devient fort plus vite. C'est parti dans Laurence. Tu as un magnifique Pokémon insecte, dis donc. Hop, allez, match punch. Super efficace. Ok. Donc je sais pas si on gardera le Musiole au cours de l'aventure parce que c'est pas un Pokémon vraiment super cool quoi. Mais pour l'instant il est là, donc on le garde avec nous. Go, va te changer. Oui. On va envoyer Octali. Ah, il y a 3 Pokémon. Alors, tranche nuit. Il ne se pas vraiment beaucoup de dégâts. C'est balayage. Toujours pas. Alors c'est chiant parce que j'ai rien de quoi, j'ai pas de quoi me soigner. Oh. Ah oui, c'est vrai que j'ai synchro. Pas de quoi me soigner de la brûlure, donc ça va être compliqué. Mais ça lui fait rien quoi. Tu vas y être souvent ta brûlure. Pas très efficace. Ok, il est KO. Oula, j'ai mis pas mal l'XP là. Soporifique. Oui, on va envoyer sa tueur. Puis après, ce qu'on va se laissera les amis. Ah oui, ça doit faire 20 minutes là. Donc après, on se laissera. Ok. Hop, et on envoie jolie fleur. Ça m'a rien fait, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Ouf, coup critique. C'est pas mal. Ok, on a battu Arthur Lauren. Ça fait que le Pokémon n'est pas suffisant. Ouais.
Du coup, moi je vais sauvegarder et du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne. Et puis, on se retrouve du coup bien dans 3 jours pour la suite de Pokémon Soul Silver. Bye bye et portez-vous bien, c'est le principal. Voilà, c'était la petite info du jour. Ciao!